vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Après mon baptême, c'est des mois de feu pour moi. Je veux tout par rapport à Jésus. Je veux manger, vivre, boire, lire tous les livres sur Jésus. Je veux voir tous les films sur Jésus. Et moi, je me dis, mais en fait, je ne vis pas la même chose, là. Pourtant, j'ai été baptisée. Pourtant, j'ai cherché le Seigneur. Pourtant, on a cheminé ensemble. Pourquoi, moi, je ne vis pas du tout ça? Au bout de 4-5 ans de mariage, on a un décalage spirituel assez profond qui se crée. Et moi, j'arrête de prier. On ne prie pas du tout ensemble. Au même moment, Thomas travaille comme un dingue. Je suis enceinte de notre troisième enfant avec une grossesse qui se passe pas bien. Et donc là, c'est le moment où on va vivre la conversion de notre une seule chair. En sortant de cette session, moi je me disais, voilà, il faut reconstruire. Mais Raphaël n'était pas encore prête à ce moment-là. Et moi, j'ai pas commencé à parler, à partager, parce que voilà, j'y étais pas. Moi, j'avais pas encore été guéri, quoi. J'avais été fissuré, mais pas guéri, voilà. En prenant notre premier engagement, on nous remettait une icône de la résurrection où on voit le Christ qui tient Adam et Ève par les poignets. Ça m'a beaucoup touchée quand on nous a remis cette icône parce que je me suis dit, donc il peut me sortir de mon tombeau puisqu'il sort Ève de son tombeau. Et donc il m'aime, donc il veut que j'en sorte. Donc avec lui, ça devrait être possible. À la même période, suite à cette rencontre qu'Evelyne fait avec le Seigneur, moi je reçois un coup de téléphone sur mon portable et c'est mon fils qui m'envoie un message et qui me dit « Papa, où es-tu ?» Et ça, cette phrase-là m'a... Elle m'a rejoint de façon très profonde. Dans ce « Papa, où es-tu ?», bien sûr que pour mon fils, c'était une question géographique. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Moi, c'est « Mais où es-tu ? Où es-tu ?» Encore quelques années après, on va vivre une période qui va être un peu difficile sur le plan de la sexualité. Bon, là, j'ai une maladie auto-immune qui fait qu'on doit, on peut pas avoir de contraception et on doit éviter du coup de s'unir un maximum sur les périodes qui risqueraient de provoquer l'arrivée d'un enfant. Là, ça, on nous l'avait pas dit avant le mariage, que ça allait être compliqué et que potentiellement, on n'allait pas pouvoir s'unir pour des raisons médicales, qu'il allait falloir faire attention. Que d'un coup, les problèmes de santé peuvent venir percuter le couple et qu'on ne peut plus s'unir comme on l'aurait voulu. C'était pas prévu, en fait, dans l'équation, quoi. Deux ans plus tard, un an plus tard, ouais. Au cours d'une messe, au moment de l'élévation, on sent que c'est la messe et la communion qui nous permet de dépasser notre frustration de ne pas pouvoir nous unir. Que l'union et la communion nous est donnée par un autre moyen. On entend tous les deux cette parole de la messe, « Ceci est mon corps », comme étant une parole que Jésus vient nous dire pour nous. Tous les deux extrêmement bouleversés, on est tous les deux en train de pleurer, on s'en parle, on a vécu la même chose. Et on comprend que la communion est un cadeau. Est un cadeau et la source de notre une seule chair. Bah, dès lors que le mariage est devenu un sacrement, ce qui est impressionnant, c'est que le Seigneur bénissant, là, il ouvre en quelque sorte les vannes de sa sainteté pour les époux. Après, il faut aller y puiser. Hein. Et donc, c'est un vrai chemin de sainteté. Pas au sens où, comme beaucoup de mères caricaturales disent, quand c'est un chemin de sainteté, souvent on dit un chemin épineux et rocailleux. Et c'est un chemin de sainteté au sens où Dieu donne sa sainteté aux époux, donne son Esprit Saint aux époux. Il s'agit tous les jours de se dire le Seigneur nous a fait le don de sa grâce puissante pour nous aimer et laisser passer sa lumière. Eh bien, très bien, allons-y. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. C'est une situation qui a duré pas trop longtemps, hein, une année je pense. On a gardé du coup cette confiance absolue en l'Eucharistie, en Jésus. Donc c'est dans notre vie familiale au quotidien finalement, c'est un cadeau qui a perduré. Voilà. Donc c'est ça qu'on a envie de transmettre aux autres, c'est ça qu'on a absolument envie de transmettre à nos fils.
c'est que l'amour peut être vrai et que c'est complètement faux de dire qu'il dure 3 ans. Qu'en fait, s'il dure 3  ans, c'est que c'était pas l'amour, quoi. En fait, une seule chair, ça ne veut pas seulement dire une bonne intimité sexuelle, ça veut dire une vraie recherche de communion dans tous les domaines. L'union sexuelle est fondamentale pour construire cette communion. Quand l'union sexuelle change de modalité, du fait de notre âge, cette recherche de communion, elle s'appuie toujours sur une tendresse physique. On est toujours corps, âme, esprit. On ne peut pas laisser une dimension de côté, sans ça, notre communion n'est plus là. Nous, ça nous interpelle vraiment de trouver comment se donner de la tendresse par des caresses, par des gestes physiques, pour que notre communion du corps, du cœur et de l'esprit puisse continuer à être pleine et entière. Et c'est pas tout facile. En vieillissant, l'homme va découvrir une sensualité qu'il n'avait pas peut-être au début de la relation, parce que c'était beaucoup plus rapide, on va dire. Donc finalement, on pourrait presque dire qu'en vieillissant, la sexualité ne disparaît pas. Au contraire, elle peut même devenir beaucoup plus belle, beaucoup plus sensuelle. C'est pas physique, c'est pas simplement l'agitation de deux corps pendant quelques minutes. Il y a une connexion qui est d'abord spirituelle, qui est émotionnelle, au travers des deux corps. Mais on se rendait compte de toute cette intuition, de ce trésor. Et même au niveau de nos gestes de tendresse, de nos baisers, etc. On se rendait compte que de le faire habiter par la grâce de Dieu, waouh! Ça consiste pas à se mettre à poil, ça n'importe quel couillon est capable de le faire. Se mettre à nu, c'est tout à fait autre chose, c'est se laisser voir tel qu'on est. À mesure que je découvre et que je me mets à nu, je découvre des blessures qui ne peuvent se réparer que si ton regard me recouvre de cette tendresse qui me relève. Alors ton regard d'époux, ton regard d'épouse, mais aussi, bien sûr, et surtout, le regard de Christ qui vient dans sa miséricorde me relever, me redonner ma dignité. C'était le jour et la nuit, entre ce que j'avais vécu sans Dieu, est-ce que je vivais avec Dieu et avec Maud. Et là, je me dis, mais ça, mon vieux, c'est un trésor incroyable. D'abord pour nous, égoïstement, on va le découvrir d'abord pour nous. Mais après, c'est tellement dingue qu'il faut le partager, quoi. On peut pas, ça déborde. Alors, comme le Seigneur est vraiment formidable et très doué en timing, pendant le même temps de prière, on en avait plusieurs dans la journée, il m'a montré à moi. Il m'a montré mon péché aussi, ma responsabilité dans le dysfonctionnement de notre couple. Et il m'a montré que cet enfermement dans lequel j'étais par rapport à Pierre, mes blocages sur le plan physique, mes refus de me donner, ça blessait Pierre et ça le blessait lui. Et que cette bulle dans laquelle je me sentais si bien, il m'a dit, mais c'est pas pour ça que je te l'ai donné à aimer. C'est pour que tu vives avec lui, pas pour que tu vives à côté de lui. Et cette bulle, tu peux pas rester dedans. Dans le récit de la Genèse, l'homme et la femme sont en relation avec Dieu et à partir de là, la vie est possible. À partir de là, tout va découler. Or, c'est là qu'il y a eu une blessure tellement grande que Jésus ne peut pas commencer sans dire « Je suis venu guérir cette blessure-là ». Cette blessure de la rupture avec Dieu, de la rupture avec l'autre, qui fait que les mariages sont impossibles, difficiles et qu'il y a tant et tant de douleurs. Si le Christ inaugure sa vie publique et sa vie apostolique par un mariage, c'est quand même pas rien non plus. Les noces de Cana, c'est quand même pas particulièrement significatif. Le vin des noces annonce le vin nouveau qui sera le sang du Christ, des noces nouvelles qui sont les noces de l'agneau. Et donc tout va vers les noces de l'agneau quand enfin tout sera récapitulé dans le Christ pour être réuni dans le cœur de Dieu. Et quand on s'est retrouvé pour le temps de couple qui a suivi, on est tombé dans les bras de l'autre en se demandant pardon. On avait chacun réalisé, grâce à lui, où était notre propre péché, notre propre faute dans le dysfonctionnement de notre couple. Le pardon donné entre nous et le pardon reçu du Seigneur, c'est tellement guérissant, ça nous a... On décollait. Et ensuite, on s'est retrouvés presque surpris de se retrouver si amoureux, d'avoir l'impression que toutes ces espèces de pierres dures qu'il y avait dans notre couple avaient fondu, avaient disparu, que c'était un bonheur de s'aimer, que c'était un bonheur de se toucher, que c'était un bonheur de se donner, que... Enfin, on est dans une gratitude pour ce que le Seigneur a fait pour nous. On est reparti encore mieux que jeune marié, quoi.
Et c'est mon fils, il m'envoie un message qui me dit « Papa, où es-tu ?» Et ça, cette phrase-là m'a rejoint de façon très profonde. Je retourne à la maison. Et on était tous les sept réunis. On a mis Jésus dans la crèche. On a mis Jésus dans notre famille. C'était la première prière familiale. Et alors là, toute la vie a... Tout a changé dans la vie. Tout. Donc ça a été le grand bouleversement. Et qu'à chaque fois qu'on met le Seigneur dans le coup, il y a de la vie qui en jaillit. Pas forcément comme on le pensait, mais il y a de la vie qui en jaillit. Et on est émerveillé par cette communion entre nous et dont le sommet est dans nos relations, dans notre chambre à coucher. On a une mission, finalement, de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Par où on est passé, par la façon dont il est venu nous chercher, et par cette communion dans laquelle nous sommes tous les deux ensemble. On s'est rencontrés au lycée, on avait 17 ans. Et demi. C'était le coup de foudre. Ouais, c'était un vrai coup de foudre. Et grâce à Dieu, ça l'est encore. Les premiers temps, c'était vraiment fusionnel, en fait. Il faut arrêter. Oui, attends, ça va passer. C'est beau, c'est belle session. Ouais. Non, lui dis pas de faut arrêter, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que... c'est une rencontre qui vient à un moment de ma vie où... Ben d'abord, c'est, on va dire, j'aime pas le mot adolescence, mais 17 ans et demi, c'est l'âge où les sentiments commencent à monter, les hormones aussi, sans aucun doute. Et donc, c'est la rencontre avec une personne qui me... En même temps, ça me valorise énormément, la rencontre avec Valérie. Je suis désolé. Elle est très belle. Ah, je vois bien qu'elle n'est pas de mon milieu. C'est une fille magnifique. Elle-même, comment c'est possible qu'une fille pareille m'aime ? Elle a une classe incroyable. Mais elle est belle. Elle a des sentiments pour moi. Je suis bouleversé. Et puis, quand on sait d'où je viens, ma famille, où c'était le désordre. À la maison, donc pendant longtemps, il n'y a pas d'homme, en tout cas, mais je... Moi, je dors dans le lit de ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est une relation incestueuse. Ça m'a perturbé, évidemment. Je pense que d'abord, mes parents sont divorcés. J'ai 6 ans quand ils sont divorcés. C'est un sujet qu'ils maîtrisent très mal. Donc, ils le vivent comme ils le peuvent, c'est-à-dire débridés n'importe comment, en vrac. Et donc, forcément, tout le monde a mangé dans cette affaire et moi aussi. Quand je rencontre Jérôme, je rencontre l'homme de ma vie, en fait. Celui que j'attendais depuis toute petite. Ça reste un mystère, malgré tout. Parce que vraiment, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu m'as fait rencontrer celui avec qui je partage ma vie encore aujourd'hui. Pardon. Donc quand je découvre Valérie, je peux dire que je suis, sur le plan affectif, une bête blessée. Toute jeune, mais blessée, voilà, pas construite. Est-ce qu'on peut dire que tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir aussi ? J'ai vu des choses, bien sûr, qui ne m'ont pas structuré, mais qui m'ont abîmé. J'ai entendu des choses. Et en plus, j'ai vécu, à 8 ans, j'étais abusé sexuellement par un prêtre. Plutôt on amène du trouble dans la façon dont un être humain se construit, particulièrement dans ses jeunes années, plus gravement on va atteindre l'adulte qu'il ou elle deviendra, absolument. On vissera notre cercueil avec dedans des choses non réglées et non guéries. C'est pas grave ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire la vérité pour accueillir la miséricorde.
sur mes fragilités, mes faiblesses, mon histoire, d'être dans la vérité, pas d'être dans la perfection. Et donc ce qui est cassé en nous, dont nous pouvons peut-être avoir une approche un peu plus facile, sinon on n'irait pas se confesser. On oublie souvent que ça n'est que le versant intérieur de ce que nous sommes corporellement, extérieurement, c'est-à-dire notre corps est cassé, quoi. Alors ça permet de mieux comprendre la question de la maladie, ça permet de mieux comprendre la question du handicap, ça permet de mieux comprendre la question de la non-acceptation de son corps, etc. Nous sommes une humanité cassée. N'empêche que notre corps, dans son unicité, dans son exceptionnalité, il nous a été donné pour réaliser une vocation à l'amour unique, qui est celle que Dieu veut pour nous de toute éternité. Et donc c'est avec ce corps-là que je suis appelé à aimer pour l'éternité. Alors moi, je me rappelle en avoir parlé, je crois que je devais avoir 15-16 ans à ma mère, donc c'est au moins 8 ans après, en faisant la remarque, en disant voilà, je ne sais plus à quelle occasion, et ma mère d'être étonnée que ça s'était passé, mais sans aller plus loin, quoi. Moi, aujourd'hui, un de mes enfants me dit ça, je bondis immédiatement, je vais à l'évêché, on retrouve la personne et on fait le travail. Donc, sur les questions de sexualité, d'affectivité, j'étais dans un milieu qui était paumé. En réalité, ils étaient paumés. J'ai eu un doute, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée dans la famille de Jérôme, son beau-père, il m'accueille, il est nu dans le salon, et il me dit, bon, il vient me dire bonjour comme ça. Donc, pour moi, c'est un vrai choc. Un vrai choc de façon de vivre, en fait. Et ça, ça me fait peur. Et je ne suis pas assez forte, je pense, pour affronter longtemps ça. En plus, c'est aussi anticlérical. Ma mère veut tuer le pape Jean-Paul II. Elle veut vraiment qu'il meure. Et elle voudrait marier tous les prêtres. Et mon père, quant à lui, il va à la messe tous les dimanches. Mais en pratique, sa vie, c'est pas du tout accordé avec sa foi. Donc, ça pose un problème. C'est pas que je rejette Jérôme, mais je me dis en fait, ça va pas matcher avec mes parents, quoi. Ça va pas le faire, quoi. Les familles, ça va s'affronter, ça va pas être possible. Et du coup, tout ça, ça joue dans ma décision. Et c'est vrai qu'à l'époque, je rencontre quelqu'un qui correspond plutôt plus à ce que mes parents attendent de moi, qui correspond mieux. Je projette sur elle tout, et bien plus que ce qu'une la plus belle des filles du monde peut donner. Et puis il se passe qu'à 20 ans, donc 2 ans et demi après, ben Valérie, au retour de vacances, décide que c'est fini entre nous deux. C'est le cauchemar qui démarre. Mon cœur, il est tout le temps en train de penser à Jérôme. Je suis vraiment déchirée, quoi. C'est un déchirement. Puis j'ai la trouille de l'avoir perdu pour toujours, et je me dis, mais c'est vraiment lui, quoi. C'est la première fois qu'elle le dit. De quoi ? Que j'ai la trouille de l'avoir perdu pour toujours. C'est la première fois que Valérie, tu le dis. Aujourd'hui, là ? Là, ouais. Maintenant, c'est la première fois. Ça me fait du bien d'entendre ça. En même temps, je te dis que je pense à toi tout le temps. Donc oui, mais c'est pas pareil. Et oui. Devais avoir 9 ans, c'était dans la bibliothèque de mes parents. Je suis tombée sur une bande dessinée porno. Il y avait quelque chose de violent dans le dessin. Ça m'avait excitée. Je me sentais coupable de ressentir du désir ou du plaisir, d'excitation en fait. C'était même pas du plaisir, c'était juste de l'excitation, là, comme quand tu regardes la porno. Là. À la même époque, j'avais une amie de fille là, avec qui souvent on se faisait des câlins ou c'était plutôt on faisait des jeux c'était pas génital mais c'était pas loin là. Donc je me suis tout de suite sentie comme méchante ou sale. Puis il y avait eu mon cousin aussi en dessous de son lit, en cachette, où on s'était tripoté, là. Et à toutes les fois, il y avait un sentiment de culpabilité. C'est comme, c'est caché, c'est pas beau, je dois cacher ça. Mes parents se sont mariés, mais au Québec, ils venaient d'une éducation vraiment où la sexualité, c'était réservé au mariage, c'était réservé pour avoir des enfants. C'était très tabou.
Mais ce qui arrive, c'est que mes parents ont retrouvé la foi. Et, c'est-à-dire, ils ont toujours eu la foi, mais c'était la foi de leur enfance, la foi où au Québec, c'était tout le monde allait à l'église à l'époque. Mais ils découvrent, ils rencontrent Jésus-Christ, ils font leur expérience personnelle. Quand quelqu'un est un nouveau converti, qu'est-ce qu'il fait? Il lit des vies de saints. Et là, les saints dont il parle, c'est tous des religieux, des religieuses, des prêtres. Fait que finalement, qu'est-ce que j'entends comme petit garçon? C'est que la sexualité, c'est mal. Si tu veux être saint, tu dois être dans la continence et la chasteté. Sinon, bon, ben, tu te marieras, hein, tu auras des enfants, mais tu ne seras pas un saint. C'est vrai que pendant très longtemps, on a cru que la perfection dans la vie chrétienne, c'était l'état du célibat, parce qu'il y a une consécration à Dieu qui paraît plus directe et plus grande. Saint Paul lui-même pensait que le Christ allait revenir là, dans les années qui viennent, ou même dans les mois qui venaient. Et donc, il parlait pour un temps très court. Saint Paul, je pense, n'avait pas imaginé la perspective de milliers d'années qui viendrait devant. Donc, il a eu une image un petit peu restreinte du mariage en disant, ben, effectivement, si vous ne pouvez pas faire autrement, ben, mariez-vous, vous ne faites pas de péché quand même, c'est déjà pas mal. Mais il n'avait peut-être pas envisagé encore la sainteté, encore que, quand Saint Paul parle du mariage comme le sacrement du Christ et de l'Église, l'époux et l'épouse comme le Christ et l'Église, Saint Paul avait une vision beaucoup plus haute du mariage qu'on ne croit et qu'on ne voudrait le croire aujourd'hui. On l'a trop vite traduit par une réticence par rapport au mariage, ce qui, à mon avis, est complètement faux. Que l'on soit catholique ou protestant, il y a une notion que l'on appelle le puritanisme qui est venue s'installer. Très grossièrement, tout ce qui est spirituel, c'est élevé, c'est pur, c'est bien. Tout ce qui est physique, c'est inférieur et c'est mauvais. Je me rappelle une fois dans une conférence aux États-Unis, quand je dis que le Saint-Esprit ne quittait pas nos corps quand on faisait l'amour, j'ai eu une dame qui a hurlé. Et qui a dit, si c'est ça, je ne pourrais plus jamais faire l'amour à mon mari. Et le pauvre mari, je l'ai regardé à côté, je suis désolé, ce n'était pas l'effet que je recherchais, mais parce que pour elle, la sexualité était sale. Donc Dieu ne pouvait pas y être associé. Cels, un philosophe néoplatonicien du 1er siècle, disait à l'écart des chrétiens, ce peuple qui aime le corps, ce peuple qui aime le corps, c'était méprisant, c'était d'une vulgarité achevée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on accuse l'Église et les chrétiens de mépriser le corps, de mépriser la sexualité, de ne rien comprendre, d'être des frustrés, d'être décoincés, etc. Ce qui est quand même étonnant. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, on disait exactement le contraire. On critiquait les chrétiens au motif qu'ils tenaient trop le corps en honneur. Alors quand arrive mon développement, ma jeunesse, là, les premières pulsions sexuelles, ben, je suis très mal avec ça. Et je vais tomber dans la masturbation, puis je vais tomber dans la masturbation compulsive. Où j'aurais même plus de plaisir, là. Ça sera même pas pour le plaisir. Ça va être écoute, c'est marquant, là, si je veux être saint, je dois pas avoir de sexualité. Bien, je vais avoir de la sexualité, mais pas de façon agréable, pour ne pas en avoir, finalement, pour pas avoir de désir ou de pulsion ou de plaisir. C'est comme ça que je résumerais mon enfance. C'est pathétique. Quelques années avant de rencontrer Jean-Marc, j'ai vécu avec quelqu'un. Cette personne m'a quittée parce que je me suis retrouvée enceinte. Donc j'ai subi un avortement qui m'a impactée toute ma vie. Et pendant des années, même si je n'étais pas catholique, c'était quand même quelque chose. Pour moi, c'était... j'avais tué mon enfant. Je me sentais meurtrière. J'avais tué mon enfant. On dédramatise l'avortement. Et moi, je trouve que c'est dangereux de le dédramatiser. Et c'est pas prendre parti pour ou contre. Je suis pas du tout dans ce débat-là. Le débat, c'est que dire que c'est pas grave, c'est faire comme si il s'était rien passé. Or, il se passe quelque chose dans le corps des femmes. Aujourd'hui, la manière dont on accompagne en France les femmes à une IVG, moi, elle me scandalise. En tant qu'assistante sociale, pendant 15 ans, j'ai entendu des femmes avorter, et en tant que thérapeute de couple, où je vois les conséquences sur la vie de couple et sur la vie des femmes. C'est un acte qui n'est pas
anodin. On a fait sauter le délai de 7 jours. Ce délai de 7 jours, il était là pour protéger la femme. Déjà, des pressions extérieures qu'il peut y avoir, un homme qui n'est pas d'accord, des parents qui mettent la pression, etc. Donner ce temps à cette femme et permettre à cette femme de vivre toutes les émotions qu'elle a besoin de vivre. Parce qu'un matin, elle peut vouloir avorter. 3 jours après, il peut se passer autre chose dans son corps, dans son cœur, et choisir de ne plus avorter. À aucun moment, on m'a dit que c'était la vie. Que c'était la vie que je portais en moi. À aucun moment, on m'a dit, mais il y a d'autres solutions. On peut vous aider, on peut vous accompagner. Non, de suite, on m'a proposé que ça. On ne m'a pas expliqué le pour, le contre, on m'a donné qu'une seule solution, c'était l'avortement. Or aujourd'hui, elle va, on l'accompagne, elle veut avorter, on lui donne une pilule, elle rentre chez elle et elle avorte. Alors que non, le temps est important, il est nécessaire. Parce que des fois, l'information, elle reste là, elle reste coincée dans la tête. Alors qu'il faut que l'information descende au cœur et ensuite aille jusqu'aux entrailles. Et à ce moment-là, quand on a pris ce temps et qu'on a été bien informé, des possibilités. Là, on peut prendre une décision libre. Et là, on se retrouve avec nos blessures. Alors Stéphanie, avec cette relation qu'elle avait eue avec cette personne, et moi, avec tout ce que j'avais vécu quand j'étais plus petit à la maison, avec une mère qui était dépressive, avec une ambiance lourde à la maison, et puis la pornographie qui avait fait irruption dans ma vie dès l'âge de 10-11 ans. La pornographie est totalement banalisée. La société considère comme tout à fait normal et même bien d'en regarder. Mais sauf que beaucoup de personnes de plus en plus de personnes qui en regardent en sont aussi devenues addictes. Là, on est loin de la promesse hein, qui nous est faite par la pornographie, l'hédonisme, etc. Mais la réalité, c'est bien celle-là, c'est plus de porno, à la fin égale plus de sexe, parce qu'en fait le porno c'est le contraire de la sexualité. La sexualité c'est le plaisir, mais dans la relation. Le porno c'est pas la relation, c'est le plaisir pour le plaisir. Et il faut bien comprendre aussi que ces images elles sont très puissantes. En fait elles sont très puissantes et un cerveau humain il n'est pas fait pour gérer ces images-là. Et nos deux vies se mélangent avec toutes ces blessures qui ont fait qu'on était bien blessés l'un et l'autre. Moi, je me sentais sale de mon côté, puisque j'étais toujours accro à la pornographie et surtout à la masturbation. Les premières années de notre vie commune avec Steph n'ont pas été toujours faciles. Notre sexualité, au début, franchement, c'était source de conflits. On n'arrivait pas à mettre dans notre relation intime de l'équilibre. De l'équilibre et cet amour, cette tendresse, quoi. Je me suis aperçue très vite de ma tromperie, de ma propre tromperie, en fait. Et très vite, en fait, j'ai mis un coup d'arrêt et je pensais même plus à surmonter le regard de mes parents ou quoi que ce soit. Mon but, c'était vraiment de retrouver Jérôme. En fait, on s'est retrouvés, mais moi, je voyais bien qu'il y avait qu'il y avait des blessures des deux côtés et qu'il y avait un petit truc cassé. Il m'est arrivé donc d'avoir des relations sexuelles avec... notamment trois autres personnes, il n'y avait jamais aucun sentiment. Je m'aperçois que j'étais sexuellement comme addict et dépendant. Il n'y avait pas de maîtrise de ma sexualité. Vers l'âge de 12-13 ans, je vais tout simplement accompagner ma cousine, avec d'autres filles, puis on va sortir avec des gars comme ça. Aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, mais je me suis carrément fait violer. Je me suis laissée violer, là. Une fois, je suis tombée en amour avec un gars, puis lui, il voulait aller jusqu'au bout, donc pénétration, tout ça. J'ai dit non, j'avais peur. Et puis il m'a plaqué. J'ai eu la peine d'amour de ma vie. Inconsciemment, je me suis dit, le prochain, là, je vais dire oui. Parce que sinon, je vais être seule. Puis pour moi, être seule, c'était la mort. Parce que j'avais ce sentiment de solitude extrême. Là.
depuis toujours, je pense. Donc, j'ai commencé à collectionner les aventures un après l'autre, sans compter les filles, hein, parce qu'il y a eu les filles après. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 33 ans, jusqu'à ma conversion. Des fois, je pouvais appréhender parce que je me dis « Oh là là, ce soir, je suis fatiguée et il va vouloir et je ne vais pas pouvoir lui dire non. » Parce que hier, j'ai dit non, donc aujourd'hui, je suis obligée de dire oui. Si elle ne se donnait pas à moi, c'était quelque part de la frustration et qu'elle ne m'aimait plus. C'était le piège de se dire aussi que la masturbation pouvait combler tout ça, pouvait combler ce manque. Et finalement, je suis tombé dans le piège, puisque quand on vivait ensemble avec Stéphanie, eh bien oui, je me masturbais, puisque la masturbation faisait que je trouvais tout mon plaisir et sans être embêté par Stéphanie. Le porno tue également la sexualité parce qu'il encourage une sexualité solitaire, paresseuse, où finalement ça devient plus facile de faire les choses tout seul dans son coin. La sexualité, c'est fait pour être vécue. C'est au service de l'amour. C'est la rencontre, c'est l'échange, on est dans l'intimité, puis on se donne à l'autre, on reçoit l'autre. Ça, c'est la sexualité. La pornographie, c'est quoi ? C'est je regarde, donc ce qui n'a rien à voir. C'est je regarde, je suis extérieur et je regarde, je mate, voilà. Ou c'est je montre, je me montre. Ce qui n'est pas non plus la sexualité, c'est complètement extérieur. La sexualité, elle n'est pas faite pour être montrée. Ça tombe bien, parce que en ce qui me concerne, j'ai toujours profondément cette angoisse du divorce qui me poursuit sans arrêt, qui me hante. Et on décide de faire une préparation au mariage. Et donc, lors de cette retraite, moi, je dis au Seigneur, je lui dis, si tu existes, dis-moi comment on fait pour as divorcer. D'un coup, là, Dieu, le Père, me parle et il me dit, Jérôme, tu es mon enfant bien-aimé, en toi, je mets tout mon amour. Je fais l'expérience physique de sa présence, je suis comblé. C'est radical, c'est complet. Je suis subjugué par son amour, je suis plein, comblé. Jamais j'ai vécu un état de plénitude comme ça. Tout mon être est saisi par... Et guéri aussi. Et totalement et guéri, totalement restauré dans ma dignité d'enfant bien-aimé du Père. Et donc c'est un amour... C'est un nouvel amour qui arrive et je vois bien que c'est l'amour, j'allais dire substantiel, c'est l'amour total, c'est celui qui me comble. Valérie ne savait pas me combler et qui me comble. Et donc, du coup, tout est réajusté. C'est d'une puissance inouïe, quoi. C'est nucléaire, quoi. C'est au cœur de la matière, quoi. Je suis saisi totalement. Quand je vois celui qui est rentré et celui qui est sorti, je dis « Oh là là, il y a un truc qui s'est passé, c'est quoi exactement ?» Et du coup, moi, je vivais ça pas très bien parce que je me disais « Mais il a vécu un truc que moi, j'ai envie de vivre, en fait. » J'allais à la messe tous les jours, pratiquement. Puis depuis que je suis jeune, quand tu sers la messe, je ne sais pas si quand tu es tout jeune, mais les bonnes femmes qui sont là, « Ah, tu vas faire un beau prêtre, ah, tu vas faire un bon prêtre, on en a besoin. » Alors, qu'est-ce que j'entends? Je vais être obligé de faire un prêtre si je veux plaire au Seigneur. Alors, j'étais vraiment divisé entre « Je veux aimer le Seigneur, mais je me sens obligé de devenir prêtre. » Il n'y a pas de jeunes filles qui sont venues me voir non plus, parce que j'étais bien trop replié sur moi-même. Puis ça aussi, ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de blessures. J'attendais qu'une jeune fille vienne me voir comme une bouée de sauvetage pour pouvoir sortir de ma coquille. Alors, en quelque part, j'étais tout le contraire d'elle. Là. Elle avait une sexualité... Complètement. Oui, très. Voilà. Elle a vivait sa sexualité et moi, j'étais tout replié. T'aurais dû venir me voir. Vers l'âge de 22 ans, ça m'a pris par surprise. Bien, premièrement, c'est que dans les mouvements anonymes que je faisais, alcoolique anonyme, cocaïnomane anonyme, dépendant affectif anonyme, j'ai même fait outre-mangeur anonyme, je les ai toutes faites, là. J'avais toutes les dépendances, sexolique anonyme. J'ai commencé à me tenir avec un groupe de filles avec qui je m'entendais hyper bien, là.
Puis finalement, pour me rendre compte que elles étaient toutes lesbiennes. Et puis elles se moquaient de moi un peu. Et puis j'ai commencé comme à me demander est-ce que dans le fond, pourquoi ça marche pas avec les hommes? Pourquoi ça a jamais marché avec les hommes? C'est peut-être parce que je suis lesbienne puis je veux pas me l'avouer. Jusqu'au jour où on a décidé de se marier religieusement. Il y avait quelque chose qui m'avait touchée quand même lors de notre préparation au mariage. Le don de soi, se donner l'un à l'autre. Je ne savais pas l'expliquer, mais je voyais qu'on n'arrivait pas à s'ajuster sur ça, quoi. Tout de suite après ma conversion, quand je me mets en prière, des images sordides de pornographie me viennent à l'esprit pour me détourner de mon regard sur le Christ, par exemple. Ça m'effraie en temps. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, je viens pour le prier et tout d'un coup, des images qui sont insupportables, qui me viennent. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, lors d'une confession à Parlémonial, j'en parle à ce prêtre et qui me dit, mais non, c'est rien, c'est le malin qui veut vous embêter, mettez ça de côté. Mais ne pense pas à ce moment-là me dire, mais attends, on va faire une prière de libération. Images qu'on ne peut pas dire devant l'écran. Je ne peux pas les donner, évidemment. Ça vient toucher, moi, avec le Christ, dans ma relation avec lui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, quoi. C'est forcément diabolique. Une fois que j'ai eu cette prière de délivrance, tout ça, ça a été chassé définitivement. Ben, en fait, ce qui est arrivé, j'avais 25 ans. C'est la première femme qui a manifesté un petit peu d'intérêt sur moi. Pour moi, ben, je l'ai épousée parce que je me suis dit, il n'y en aura jamais d'autres. C'est la première fois que ça arrive dans ma vie. Alors, je n'ai pas épousé pour les bonnes raisons. Je n'avais pas d'attirance. Une des questions que je pose tout le long de la préparation au mariage, quelles sont les raisons objectives que tu as à choisir cette fille? Quelles sont les raisons objectives que vous avez à épouser ce garçon? Non pas des raisons subjectives, parce que les sentiments, ça va et ça vient, c'est très éphémère. Mais il y a des raisons objectives pour lesquelles vous avez décidé de vous marier, pour lesquelles j'ai décidé d'aimer cette fille. Et j'ai choisi... librement, oui, je veux, je choisis, je te choisis comme épouse et je me donne à toi. Je te reçois comme époux, je me donne à toi. Il y a même quelqu'un qui me l'avait dit, il m'avait dit, est-ce que tu as du désir pour elle? Parce que pour moi, c'est une drôle de question. Pourquoi faudrait que j'aie du désir pour elle? Mais c'est un signe, si tu n'as pas de désir pour elle, c'est parce que c'est pas ton époux, c'est pas la femme de ta vie, t'es pas faite pour vivre avec elle. Finalement, vous ne ferez pas qu'une seule chair. Et on se retrouve maintenant face à des nouvelles générations, des jeunes qui deviennent asexués, qui ont brûlé leur cerveau avec la pornographie, par exemple, et qui ne sont plus capables d'avoir, pour les garçons, pour les hommes, une érection avec un être réel. La pornographie est la grande éducatrice de ce monde, de la sexualité, sauf qu'elle ne nous apprend rien par rapport au plan divin. Et elle nous fait considérer le mal comme étant bien et le bien comme étant mal. Et en fait, on construit les gens en les abîmant le plus tôt possible, en créant des empreintes sexuelles en eux qui sont terribles, en leur faisant croire que certaines pratiques sont bonnes alors qu'elles vont les détruire, etc. etc. Quand on appelle quelque chose sale alors que Dieu le déclare pur, en fait, on fait le jeu de l'adversaire de nos âmes, quoi. Et on a tendu des pièges à des générations et des générations de croyants. Et ça me perturbait. Parce que je me disais, mais est-ce qu'elle t'aime réellement pour ce que tu es, pour ce que je suis, quoi? Je comprenais pas qu'elle aussi, elle me donne pas tout son amour. Le refus de dépendance à l'égard de Dieu fait en sorte également qu'ils refusent de dépendre l'un de l'autre. Et conséquence de ça, c'est directement sur la sexualité. C'est-à-dire que comme leur regard se coupe du Père, ils sont coupés du Père, puisqu'ils lui ont tourné le dos. Ils sont coupés de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui leur reste pour comprendre leur sexualité, puisqu'il n'y a plus cette façon de comprendre sa sexualité par rapport à Dieu, par rapport à l'image de Dieu. C'est une sexualité qui est un acte de donation de soi, image de Dieu. Il n'y a plus ça, puisqu'ils sont coupés du Père. Il leur reste quoi? Pour comprendre leur sexualité, ben, il leur reste ce qui vient du monde. Et qu'est-ce qui leur vient du monde? La sexualité animale. Je me souviens d'avoir prié pendant des relations sexuelles, en disant, Seigneur, viens visiter ça, en fait. Donc un jour, comme ça, il y a une fille, je la vois et j'ai une pulsion sexuelle, mais d'enfer. Tout ce que je veux, là, c'est la voir. Je veux la baiser.
comme un objet. Le démon n'a qu'une idée, c'est de séparer ce que Dieu a uni. Et donc c'est un adversaire de l'incarnation. Et il n'a de cesse que de piétiner l'incarnation. Fondamentalement, dans le projet de Dieu, c'est l'expression de l'amour dans l'union sexuelle des époux qui est ce lieu de la transmission de la vie. La technologie moderne et la contraception ont mis à mal la sexualité d'une façon radicalement nouvelle. On a réussi à déconnecter pour de bon l'expression de l'amour de la communication de la vie, déconnecter de la transmission de la vie. C'est-à-dire que l'acte lui-même est amputé d'une dimension essentielle de sa réalité. Le fruit est empêché. La fécondité du couple, ce n'est pas seulement beaucoup d'enfants. La fécondité du couple, c'est le rayonnement de leur amour. Il y a des couples qui sont très féconds mais qui ne sont pas fertiles, ils n'ont pas d'enfants. Il y a des couples qui sont très fertiles, qui ne sont pas forcément très féconds. J'ai découvert que finalement, il y avait une espèce de lassitude à pouvoir s'unir à tout quand moment avec la pilule. Voilà. Ça affadissait vraiment. C'était quelque chose qui ne me satisfaisait pas, parce que je voyais bien que j'allais contre ma nature. On a fait un cycle Amour et Vérité, un groupe de femmes, un groupe d'hommes, et on parle de ça. Et ce que tu vis aujourd'hui peut être transformé dès aujourd'hui par le Christ. Encore faut-il que tu lui demandes. Encore faut-il que tu le désires. C'est vraiment la lumière. Je dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux et je sais ce qu'on va faire. Et Jérôme arrive aussi et puis il me dit, il n'y a pas un truc qu'on doit changer dans notre vie là. Donc ça a été parallèlement un chemin de conversion, un chemin spirituel, et puis et la découverte, voilà, tous les deux, d'avoir des unions complètement différentes, quoi. En fait, dans cette expérience, je l'ai vu plus changer dans nos relations intimes. Je trouvais que tout était plus doux, en fait. Pardon. Et c'est vrai que quand tout est pacifié, tout est ajusté, c'est tellement un lieu de... C'est tellement bon. C'est à chaque fois une union qui est un... qui scelle un mariage. Je te bénis. La thérapeute me disait, ben Brigitte, il faut que tu assumes que tu es lesbienne. Là, je disais, oui, mais je le sais pas. Tout d'un coup, je le suis pas. En fait, je le sais pas. Non, mais tu sais. Puis elle me disait, mais c'est la société qui veut pas qu'on l'assume. Là, je disais, oui, c'est vrai, mon passé catholique qui veut me faire croire que je le suis pas, dans le fond. Dans le fond, je le suis, mais je vais passer des nuits blanches à angoisser sur le fait que j'allais passer à côté de ma vie. Donc, pour me réconforter, j'allais sauter une fille. Puis, pour me conforter, oh non, non, finalement, je suis pas une lesbienne. Je vais plutôt aller voir un gars. J'espérais que ce soit pour la vie, je le souhaitais tellement, mais ça marchait jamais, là. Ça marchait jamais. Je me tannais. Au bout d'un certain temps, c'était... J'avais tout vu. Je me lassais. Puis au lieu de consommer de la dope et de l'alcool, j'ai consommé des gars et des filles. Ça a été le sexe. J'ai transformé la drogue. Ma nouvelle drogue, c'était le sexe. Et puis un jour, il y a un membre Cocaïnomane Anonyme qui était là. Puis qui m'entendait pleurer à chaque réunion. Et puis, j'imagine qu'il en a eu marre. Et puis, il m'a approché, il m'a dit, Brigitte, il m'a tendu un papier, il m'a dit, tu devrais aller voir ce moine-là à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a eu vraiment des arguments qui m'ont convaincue. C'est qu'il m'a dit, ben ce moine-là, il est cloîtré, tu
tu le reverras plus jamais. Il pourra jamais répéter à personne tout ce que tu vas lui dire, donc tu dois aller le voir. Donc je me suis présentée là, et pendant 3 jours, je l'engueule 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Il me redonne rendez-vous à chaque fois, en m'écoutant religieusement, là. Quand j'ai tout raconté, là, tous les hommes, les femmes, les positions, tout, c'était scabreux à souhait. J'ai ri de lui, je me suis moquée de lui, j'ai crié après lui, j'ai sacré après lui. Comment il pouvait être là, assis là, à cautionner tout ce que l'Église a fait, tout le discours féministe, blablabla. Puis finalement, au bout de la 3e journée, j'avais tout dit mes 40 pages, je pleurais, puis il m'a dit une parole d'Évangile que je savais pas que c'était une parole d'Évangile. Puis il m'a dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Et là, l'Esprit-Saint m'a tombé sur la tête. Et j'ai compris en 30 secondes que Dieu était mon Père, qui m'avait créé, que j'étais sa fille bien-aimée et que Jésus avait donné sa vie pour moi et qu'à cause de lui, j'étais ressuscitée comme lui et que tout mon passé était pardonné, effacé, oublié. C'est fini et je peux recommencer ma vie. J'ai embrassé le moine et puis il m'a dit, Brigitte, tu vas enterrer ta colère, ta haine, ton ressentiment dans la terre de l'abbaye. Tu vas aller et tu vas danser ta vie. Je suis sortie de là comme on sort d'un tombeau. Je réalisais pas le travail que le Seigneur faisait en moi. Pendant cette année-là, il m'a guéri de plusieurs blessures au niveau de la sexualité et de l'affectivité. Dans mon corps, je ne me sentais plus la même. J'avais appelé mon moine, puis j'avais dit, écoutez, j'ai le sentiment que je suis redevenue vierge. Physiquement, là, c'était une redécouverte de ma féminité, de ma sexualité. Ça, pour moi, c'était une révélation, une guérison, une libération. Dans cette prise de conscience fulgurante, là, que je pense que les neurones m'ont fait 3 tours, là, j'étais Brigitte, la fille de Dieu, complètement comme renouvelée physiquement. Là. Et là, tu as décidé d'être chaste. Jusqu'au mariage. Nous, ça n'a pas été long là, que quand on s'est reconnus, on s'est fiancés, puis on savait qu'on voulait se marier. Le problème, c'est que je n'avais pas obtenu ma nullité de mariage. Mais donc, on a voulu vivre de façon chaste, de façon continente. D'autant plus que, n'ayant pas ma nullité de mariage, j'étais en quelque part en adultère. On a rencontré son moine, puis on lui a dit, bien écoutez, on sait qu'on veut se marier, on va se marier, alors ça change quoi? On n'a plus besoin d'apprendre à se connaître pour discerner. On a discerné. Regardez, quand vérité et charité se rencontrent, il a simplement dit ceci. Ah, si vous trouvez faire l'amour pour vous, c'est correct, bien, je ne peux rien dire, mais moi, je ne pourrais pas vous donner le corps du Christ tout à l'heure. En d'autres mots, vous, si vous venez, vous voulez aller communier, c'est votre... Mais moi, dans mon âme et conscience comme prêtre, je ne pourrais pas vous donner le Christ. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné, il a juste été vrai. Tous les deux, les bras nous sont tombés, on était comme... Mais on ne peut pas ne pas se nourrir du Christ. C'était impossible. Puis là, on comprenait qu'on avait un choix à faire. Alors tout de suite, on s'est confessé. Avec la ferme intention de ne plus recommencer, tu sais, avec vraiment un profond regret, puis une demande de pardon. Puis... Mais ça, cette intervention-là de ce moine, ça nous a remis dans le droit chemin, si je peux dire, dans cette seule chair. Tu sais. Je savais pas l'expliquer, mais je voyais qu'on n'arrivait pas à s'ajuster sur ça. Et ça me perturbait. Je comprenais pas qu'elle aussi, elle me donne pas tout son amour. La paroisse nous invite pour un repas des pèlerins, puisqu'on est sur le chemin de Saint-Jacques. Et du coup, nos amis nous proposent de prier pour mon problème d'audition. Et par politesse, j'ai dit oui, quoi. On ne peut pas dire, on va prier pour toi, dire non. Donc par politesse, j'ai dit oui. J'ai été toute bouleversée.
quelque chose qui m'enveloppait, qui une chaleur. Alors je regardais à droite, à gauche, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et qui c'est qui m'enveloppe comme ça? Jusqu'au moment où je pleurais tellement, j'étais tellement démunie, j'arrivais plus à gérer rien. J'arrivais plus à gérer mes larmes, j'arrivais plus. Et là, j'ai senti l'amour du Père qui venait me consoler. Mon enfant bien-aimé, laisse-toi faire. Mais c'était tellement bon. Et le lendemain, c'était le jour de la fête des mères. Et quand j'ai ouvert les volets, que j'ai entendu chanter les oiseaux, choses que je n'entendais pas avant, le bouillonnement de l'eau et tout, en fait, je me suis rendu compte que j'avais été guérie d'une oreille et qu'il y avait des sons que je n'entendais pas avant que j'entendais. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse effusion de l'Esprit-Saint où le Seigneur est venu me visiter, mais vraiment en profondeur. Et là, je revois encore cette image où il me dit, mais regarde Jean-Marc, en me montrant la croix, il me dit, mais regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et donc, c'est là, j'ai compris, quoi. Il y avait quelque chose qui se passait en moi, il y avait des guérisons. On sentait vraiment ce désir de vérité en nous. Et au cours de la semaine suivante, j'ai dit à Steph, il faut que je te parle, quoi, parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, c'est que voilà, je suis en plein dans la pornographie, dans la masturbation, et que je t'ai caché ça pendant des années, et que voilà, il faut que je te l'avoue, et que surtout que tu me pardonnes, mais c'est surtout pas de ta faute, parce que ça, c'était avant que je te rencontre. Et là, vraiment, j'ai senti l'amour pour mon mari, quoi. Ça nous a permis de parler de notre sexualité, chose qui était difficile avant. Je priais l'Esprit-Saint. Et puis, moi aussi, je sentais que ces blessures sur l'avortement, ça a été une épreuve pour moi, quoi. Et j'en avais parlé à un prêtre qui m'a dit, mais c'est bien beau d'en parler en confession, mais il faut que vous en parliez à votre mari. Il faut que vous priez pour cet enfant, il faut que vous lui donniez un prénom. Il m'avait donné plein de démarches à faire suite à cet avortement. Mais le plus dur pour moi, ça a été d'en parler à Jean-Marc, parce que 15 ans après... Le fait d'en parler avec Stéphanie, ça a été déjà une grande partie de la guérison. On a pu se demander pardon, on a pu avancer aussi dans cette démarche-là. Et moi, surtout, le fait d'en avoir parlé à Jean-Marc, ça m'a libérée. Je sentais vraiment qu'il fallait que je l'adopte, que ça soit notre enfant. Et qu'il y avait une relation un peu avec ce petit être. Comment il s'appelle ? Emmanuel. Aujourd'hui, on a vraiment ce désir de pureté de notre amour avec la méthode naturelle de régulation des naissances. Eh bien, moi, je respecte Stéphanie, je découvre la tendresse que je peux avoir pour elle, que je ne connaissais pas avant, et je découvre surtout son cycle et comment elle fonctionne. À travers la notation de toutes les observations, bah, aujourd'hui, je sais que dans quel état se trouve mon épouse, voilà. Et je sais si elle est fertile ou infertile, et ça fait grandir notre amour. Et comme tout à l'heure je le disais, ça fait vraiment grandir la tendresse que je peux avoir pour elle. On a pu mettre des mots, sur nos difficultés. Et en fait, ça nous a permis de nous renforcer dans notre tendresse et de s'affortifier notre amour et plus d'attention l'un envers l'autre. C'est un signe, tu n'as pas de désir pour elle. C'est pas ton épouse, c'est pas la femme de ta vie, t'es pas faite pour vivre avec elle. Finalement, vous ne ferez pas qu'une seule chair. J'avais vu, j'avais discerné qu'il n'y avait pas mariage. Donc, quand tu vois clair, à un moment donné, bien, la décision vient avec. J'ai vraiment décidé de retomber sur mes pieds pour dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux. Le matin où je me suis accepté comme je suis, mais le soir, nous sommes rencontrés. Comment nous sommes rencontrés, c'est intéressant de le savoir parce qu'il y avait un site de rencontre. Et on s'est écrit comme ça pendant des longues lettres de 5, 6, 7 pages pendant 3 semaines. Et après ça, on s'est rencontrés. Et quand on s'est vus, c'est difficile à décrire, mais je l'ai reconnue. J'ai dit, c'est elle.
Puis elle, quand elle m'a vu, elle a dit, c'est lui. Et je passe au bureau de poste et en prenant la lettre, je vois que c'est ma nullité de mariage. Alors je la cache, et je me mets à genoux devant elle et je lui dis, veux-tu m'épouser? Et elle me répond, ben oui, mais tu sais bien qu'on ne peut pas. Et là, je sors, tadam, ma nullité de mariage. Et là, elle crie. Mais je criais, c'était fou. Alors un mois après, on se mariait. On a vécu quelques années plus tard une session qui s'appelle Cana avec la communauté de Chemin Neuf. C'est une semaine pour les couples. Et ça a été très révélateur, très guérissant. Sauf qu'il y avait encore des choses cachées. Mon addiction à la masturbation n'était pas complètement finie. En fait, c'est le porno. Oui, à l'époque, c'est vrai. S'il arrivait, par exemple, qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles... Ce qui arrivait très souvent. Parce qu'elle avait eu des enfants. Alors oui. Ou j'allaitais ou j'étais enceinte. C'était soit un, soit l'autre. Alors, il m'arrivait d'aller donc consulter la pornographie. Et ça, c'est à un moment donné, il y a une crise dans notre couple. Je me sentais méprisée, moi, comme objet sexuel. Mais il m'aime pas, dans le fond, tu sais. Je suis juste là pour le satisfaire, là, dans sa petite compulsion, là. Moi, je pense que c'est pas un hasard. J'y vois la main de la Providence. Si au moment où le porno explose dans notre société, où c'est vraiment un lieu très polluant pour les cœurs, le regard et l'amour humain, qu'il y ait aussi une redécouverte de la prière de guérison. Voilà. Et moi, j'en vois quasiment tous les fiancés essayer de, en quelque sorte, de tirer un trait sur le passé, en tout cas, et de plutôt, ce serait plus exact de dire, d'accepter d'être renouvelé dans le Seigneur, de vivre un vrai renouveau intérieur, en accueillant une grâce de guérison. Ça, moi, j'en vois quasiment tous mes fiancés vivre ça pour, en gros, encore une fois, ne pas être dans le déni de ses blessures, mais les donner à Dieu, de vraiment mettre les choses devant le Seigneur. Et je pense que c'est... ça les aide à avancer avec plus de liberté. Je crois que tout est possible dans la sexualité à partir du moment où on se respecte, où on respecte ce qu'on accepte de vivre et de faire, et surtout qu'on respecte l'autre. L'autre n'est pas notre objet sexuel, c'est pas un sextoys, l'autre. Alors voilà une question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la chambre à coucher? Quelle belle question. Jusqu'où on peut être chrétien, dans la chambre à coucher? Chacun prend dans sa tête la pratique qu'il... pour laquelle il se pose des questions. Un, est-ce que ça se passe entre le mari et la femme, dans la tête, dans le cœur et au niveau physique? Deux, est-ce que les deux sont d'accord? Trois, est-ce que le but c'est de donner du plaisir à l'autre? Si y a des... ça honore l'autre? Est-ce que ça honore l'autre? S'il y a des oui là, le ciel est la limite. Satan est menteur, prince du mensonge, homicide dès l'origine. Il veut vous empêcher d'être libre. Libérez-vous, nom de nom, libérez-vous, soyez vous-même. Vous êtes bien assez grand pour décider vous-même ce qui est bien et ce qui est mal pour vous. Une des difficultés dans la vie conjugale par rapport à la sexualité, c'est que souvent on a du mal à en parler. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Or, c'est très important d'être capable aussi d'avoir un dialogue sur la question. Pas pour savoir si on s'est éclaté, mais pour savoir comment intérieurement on a vécu et si on s'est senti écouté, respecté. Mais on en discute tous les deux, justement, d'où l'importance d'avoir un dialogue et se dire que c'est important d'en parler. Déjà, si je ne parle pas de ma sexualité avec mon partenaire, avec qui je vais en parler? Plus j'ajuste ce travail-là, plus j'arrive à être dans une vérité d'être, plus je peux en parler avec l'autre, plus ça sort d'un espèce de magma où tout est confus entre mes sentiments, mes pulsions, mes désirs. Quand un couple qui s'est marié en respectant toutes sortes de choses grâce à sa foi, puis découvre qu'en fait ils ne s'entendent pas physiquement, mais il faut aller chercher de l'aide. Avec la vie spirituelle, l'Esprit Saint donne la clarté. Et ça, c'est le signe aussi souvent du passage de Dieu. Quand Dieu passe dans notre vie, c'est tout d'un coup, on a l'impression que les choses s'éclairent, qu'on se met à comprendre, on n'est plus dans cette confusion. Donc le travail du dialogue entre les époux permet aussi de rentrer dans cette clarté des choses, dans cette simplicité de la relation. Donc c'est ça, il a fallu qu'on vive vraiment cette crise où on nous a accompagnés de façon incroyable. C'est cette année-là, en 2018, où on nous a dit, si vous voulez survivre, vous allez devoir apprendre à prier et à mettre Dieu en premier dans votre vie. Dieu, il a uni l'homme et la femme, mais avant, Dieu, il nous a unis à lui. C'est ça qui est premier, en fait. Dieu nous a aimés le premier. Donc, il faut mettre en premier l'amour que nous avons reçu de Dieu. Voilà. Et cette décision, si elle est consacrée par Dieu dans le sacrement, alors elle est indissoluble, elle est forte, elle est puissante. Mais de fait, dans,
dans la déstructuration de la société d'aujourd'hui, si ça n'est pas consacré par Jésus en lui et avec lui, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est la force du sacrement. Et pourtant, on l'aimait, Jésus, là. C'est lui qui nous a unis. Puis toute notre vie, on voulait n'être que pour lui, tout faire pour lui. On a choisi de lui donner la première place. Et quel est le meilleur temps qu'on peut lui donner dans l'agenda? C'est le matin. Puis on se dit, on va devoir se lever 30 minutes plus tôt, là. Et lui, c'est comme... Lui, il se lève pas le matin, tu sais. Il voulait pas. Lui, le matin, ce qu'il voulait faire, c'était faire l'amour. Mais non, c'était le soir. Aussi. Mais ce qui est extraordinaire... Et puis l'après-midi aussi. Et puis D'accord, ça va. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a pris conscience à un moment donné. Plus on met le Seigneur en premier dans notre vie, plus on est proche l'un de l'autre. Parce que c'est lui qui fait la communion. L'alliance commence avec lui. Et c'est lui qui permet l'alliance avec mon mari. Et là, on le sent maintenant. Plus ça va, plus on fait une seule chair ensemble et avec lui. Plus on sent quand c'est... Oups, tout d'un coup, c'est notre volonté humaine qui vient d'embarquer. On se sent moins bien. Je constate, pour accompagner les couples, évidemment, je constate qu'il est si facile, même dans la sexualité, de vivre deux plaisirs côte à côte, deux jouissances côte à côte. C'est-à-dire, au lieu d'être un, ils sont encore deux. On se sent moins bien, on ne sait pas c'est quoi que ça... Là, on arrête. Pendant qu'on fait l'amour, là, on arrête. Ah, on va prier... On va demander, Seigneur, que ce soit ta volonté, pas la nôtre. Là. Et Dieu a fait la sexualité et a fait le corps humain de sorte que le tressaillement de jouissance dans l'orgasme, il est fait pour être ensemble, l'un par l'autre. Souvent, ça revient, là. Ou des fois, on arrête complètement. Il y a tellement... Parce que ça marche pas, là. Il y a tellement de relations sexuelles qui sont faites en dehors de l'amour. Quand un couple se donne et veut se donner dans toute son humilité de sa pauvreté, ses blessures, mais qui se donne avec Dieu, tu ne penses pas qu'il n'est pas heureux? Enfin, un couple qui vit, c'est ça pourquoi j'ai créé l'être humain, homme et femme. Je crois que si on se concentrait beaucoup plus sur ce qui va bien, sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous unit, on serait dans une meilleure connexion des âmes, des cœurs, et du coup dans une meilleure connexion sexuelle. On ne peut pas regarder tout le temps ce qui ne va pas et se dire « Bon, ben, on va au moins essayer de réussir notre sexualité. » Et on ne peut pas se dire tout le temps « Ça ne va pas. » Il y a des choses qui vont bien. Et il faut repartir de là. Qu'est-ce qui va, ce qui va bien pour recréer justement cette harmonie. Que l'amour de Dieu soit inscrit dans la sexualité humaine, je trouve ça prodigieux. Prodigieux. Et c'est insondable, c'est inépuisable. Mais plus j'avance, plus je vois aussi combien c'est difficile. C'est une folie. C'est vrai que c'est pas facile. Donc il faut prendre des risques. Et il faut que les laïcs aillent au créneau. Il y a un prix à payer pour être apôtre, c'est d'être formé. Parce que sinon, on raconte des bêtises. C'est une folie qui serait coupable, insensée, si Dieu n'a donné pas sa grâce. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Oui, les laïcs sont appelés à un apostolat tout à fait original aujourd'hui, en parlant d'ailleurs de ce qu'ils connaissent. On ne peut pas dire à un père ou une mère de famille qui sont fidèles depuis 40 ans ou 50 ans de mariage que, vous savez, vos trucs... Ben non, ça fait 40-50 ans qu'on le prouve, tous les jours. Quelquefois dans les pleurs, quelquefois dans la rage, quelquefois dans la misère, quelquefois dans la pauvreté, quelquefois dans le péché. Mais ça fait 40-50 ans qu'on le dit et qu'on ne cesse de le dire. Donc, on a quand même un petit peu autorité pour vous parler. Nous en avons comme l'héritage. C'est comme l'héritage principal. Cette joie, cette communion entre les époux, c'est le plus beau trésor de l'humanité, cette étreinte, cette joie de l'amour conjugal qui va jusque dans l'une seule chair, qui traduit que de deux personnes, tu n'en fais qu'une, au travers de la sexualité, et ben c'est l'image de la Trinité. De trois personnes divines, faire un seul Dieu. Et ben d'un couple, de deux personnes, de faire un seul être, une seule chair. À l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au ciel, dans la béatitude, nous serons tous un dans le Christ, par lui, avec lui, en lui. Nous serons un seul corps, d'une façon incomparablement plus intime, plus réelle, que le un, une seule chair, de ce côté-ci de la tombe. Il y a des cicatrices qui, dans le ciel, deviennent des stigmates. C'est-à-dire, je reste marqué profondément par... J'ai aimé ma bien-aimée, j'ai aimé mon bien-aimé. Et donc, il ne faut pas imaginer que, dans le ciel, le mariage va être détruit.
il sera pulvérisé comme le vin est transformé en sang. Il y a une transfiguration de cet amour. Ce que nous vivons sur la terre n'est qu'une pâle image, un pâle reflet de ce que nous vivons de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Je vous regardais tous les deux entrer dans la salle du trône. Et Dieu te dira, toi Jules, comment es-tu si saint ? Et tu diras au Seigneur, gloire à toi, c'est elle que tu m'as donnée qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et toi Julie, comment es-tu si belle et si sainte ? Oh Seigneur, gloire à toi pour l'éternité, c'est lui que tu m'as donné et c'est lui qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui.